J'ai 100 abonnés, je suis trop contente. Bref, donc vu que j'ai 100 abonnés, maintenant j'ai décidé de parler. Donc je vais parler dans pratiquement toutes mes vidéos. Je vais essayer de parler maintenant. Parce que c'est bon, j'ai 100 abonnés, je suis trop contente. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci, merci, merci. Alors comme vous savez, je pense que je m'appelle Patricia, mais vous m'appelez pas Toutou, Patoupi, Patoche, c'est comme vous voulez. Je parle avec le nez parce que je suis un peu malade, bref. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de parler des perruques. J'ai décidé de parler des perruques parce qu'en fait, là on est en automne, il commence à faire froid un petit peu. Bon là il y a un peu de soleil aujourd'hui, mais bon voilà, automne-hiver il fait froid. Et donc je pense qu'il faut protéger ses cheveux. Voilà, parce que mes cheveux sont très fragiles, donc. C'est qu'il y a beaucoup de filles qui sont très réticentes par rapport aux perruques, parce qu'elles disent ouais. Mais en fait, non, il faut pas quoi, les filles, les perruques, c'est la vie. C'est la vie, ça aide trop quoi. Moi aussi, franchement, au début, j'étais réticente, parce qu'en fait, j'avais l'image des tantines là, avec les perruques, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Les tantines avec leurs perruques gâtées, la synthétique. J'avais cette image là, mais en fait, non, pas du tout, je suis tombée amoureuse des perruques et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. Parce qu'il faut vraiment, il faut pas avoir peur en fait de porter des perruques, j'ai envie de dire. Après les perruques c'est super bien, mais perruques, faut pas que ce soit synonyme de cache-misère quoi. Parce que ça c'est... Genre si t'as pas de cheveux, ne dis pas je mets des perruques et voilà quoi, je suis tranquille. Non, 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 il faut prendre soin de ses cheveux. C'est ma cheveux. C'est important de prendre soin de ses vrais cheveux. Non, franchement, c'est très très important de prendre soin de ses vrais cheveux. C'est pas on met des perruques et on s'en fout de ce qu'il y a en dessous, quoi. Non, non, non. Le soir, quand vous enlevez votre perruque, enfin, personnellement, moi, le soir, quand j'enlève ma perruque, j'hydrate, je nourris, je sais l'hydratation, bam. C'est indispensable, quoi. C'est pas je mets une perruque pour pas prendre soin de mes cheveux. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, voilà. Après, je peux comprendre qu'il y ait des filles qui n'aiment pas trop le fait de porter des perruques parce que voilà quoi, c'est fake. Je suis noire, j'ai des cheveux raides comme ça là. Jamais vu. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Donc voilà, je peux comprendre. Après, j'ai envie de dire maintenant, au niveau du marché, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mèches. Il y a des mèches crépues, il y a des mèches frisées, il y a des mèches ondulées. Donc voilà, on peut mettre des perruques tout en... essayant de rester le plus naturel possible. Déjà, premièrement, les perruques, c'est une super coiffure protectrice. Déjà, premier point. Premier point, c'est très important. J'ai envie de dire, quand t'as la fin de te coiffer, bam, quoi, tu poses ça, c'est bon, tu sors, t'es prête. Donc, c'est cool. Deuxièmement, c'est. Deuxièmement, par rapport au prix, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est moins cher, mais le truc c'est que vous, en fait, la perruque vous l'avez, c'est à vie quoi. Enfin, si vous achetez les bonnes mèches, une bonne closure et tout, vous pouvez garder la perruque à vie. Alors que de faire des mèches, voilà quoi. Les mèches on les achète, on fait, après on jette les mèches, donc c'est pas du gâchis, mais voilà quoi. Autant faire une perruque, bam, tu la poses, t'es tranquille pendant 2-3 ans. Voilà. Ce qui est cool, c'est que ça vous permet de changer de tête quoi. Sur 7 jours, vous pouvez avoir 7 têtes différentes grâce aux perruques. Donc voilà, par rapport à la couleur, j'ai envie de dire, c'est très bien les perruques pour les filles qui ont peur de colorer leurs vrais cheveux. Parce que ça, coloration, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est, faut le dire, ça abîme un peu les cheveux quand même. Donc voilà, colorer directement des mèches, des extensions, c'est plus simple et ça permet de changer de tête. Donc voilà, je trouve que c'est très très cool. Non mais les perruques, sérieux, c'est très très bien. Perruque, c'est la coiffure. C'est ma coiffure protectrice numéro 1. Devant tout ce qui est mèche, même coiffure protectrice avec ses propres cheveux. Non, je suis ça. Perruque là, c'est la vie coco. J'aime trop les perruques. Les perruques, on en trouve partout. Après, moi, je suis pas fan des perruques...
trouve à Château Rouge, tout ça, là, c'est trop faux. En fait, c'est synthétique, puis ça. C'est des perruques des tantines, quoi. Désolée, les tantines. Voilà, désolée, mais vraiment, c'est des perruques des tantines. Je pense que. Il faut prendre des mèches. Des cheveux humains, en fait. Je pense que c'est important. Je pense que pour avoir une belle perruque, déjà, il faut. Avoir une bonne qualité de mèche. Je m'y connais pas trop en niveau qualité mèche, mais cheveux humains. Oui, brésilienne, péruvienne, truc comme ça. Là. Ça, je pense que c'est bien. Donc, je pense que pour une bonne perruque, il faut investir un minimum quand même. Donc, je pense qu'une bonne perruque, c'est entre 130 minimum, je pense. En 3 points, pourquoi j'aime les perruques? Parce que c'est une superbe coiffure protectrice. Parce que ça a une durée de vie, une longue durée de vie. Une longue durée de vie. Et troisièmement, parce que ça me permet de changer de tête. Voilà. 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 N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à me dire si vous voulez voir ma collection de perruques. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Voilà. Les potentielles vidéos à venir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, bisous.